Salut à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour l'épisode 18 de Une carte à jouer. Donc aujourd'hui, objectif, up les cafés niveau 100. Allez, l'Eurostat, le stuffer et tester en Coliseum. Donc vous pouvez voir, carte à jouer qui est niveau 99. J'ai arrêté de monter les stats parce que je m'en foutais, puisque j'allais restat de toute façon de niveau après. Donc il nous manque plus que 355 000 XP. Donc j'ai XP un peu hier soir, et puis là je viens de terminer ce matin. J'ai fait une trentaine de combats, une quarantaine de combats ici. Et j'ai trouvé un beau petit groupe pour le up niveau 100. Donc on va y aller. Petit cabriole qui va se faire plaisir. Oh, élémentaire. En plus, un bon tchal, ça c'est cool. Voilà, comme ça on est direct dans la zone, ça c'est bien. Par contre, 40 fuites, ça ne m'aide pas trop. Et tant qu'il y en a 3 qui me restent au corps à corps, ça va être vite fait, ça c'est bien. Voilà, comme ça j'en ai au moins 2. Peut-être s'il y a un troisième qui vient, ce serait cool. Le seul truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est que comme je suis avec les Kaflip, je trouve que c'est vachement lent en fait par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, là maintenant, vous allez voir, je me mets en créature et là, c'est exagéré quoi la vitesse. Voilà, plus que 2. Donc on aura fait le tchal, on va prendre à mon avis un petit million. Parce que c'est un tchal 70%, donc c'est pas mal. On va passer sur Carta. On entend le petit bruit. Voilà, up niveau 100, 1,3 million qu'on a pris. Et voilà, un petit up niveau 100, ça c'est cool. Je vais faire un petit screen pour mettre sur Twitter et sur Facebook. Donc ça c'est vraiment cool. Et alors là, ouais, il ne manque plus que 1,1 million. C'est vrai que je ferais bien les combats avec vous. Allez, ouais. 1 million 1, ça ira vite. 2-3 combats. Soyons fous. Voilà. Bon, le tchal là, c'est un peu impossible, j'ai envie de dire. On va mettre Destin à Decaflip. Bon, il se fait défoncer, mais bon, ça les occupe. Et voilà, il s'est fait défoncer. Voilà,
Si c'est ce qui fait plaisir. Est-ce que j'avais assez d'oplon sur Kerta? Je pense à ça, ouais, 50 d'oplon. Non, j'aurais dit, bon, au pire, on va aller up au. Ben, face à des doppels, au pire. Comme ça, ben, on teste déjà un peu. Ouais, je pense. Après ce combat 6, je pense que c'est ce que je vais faire. Le problème de leur petit truc là, moins fruit et tout ça, c'est que en général je le vois pas. Et quand il m'enlève de la fruit mais que je veux bouger, c'est assez casse-couille. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire? Alors, ouais. Tout est sur la DD normalement, sauf le parchotage qui est en banque, je pense. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça moi? Alors, dans l'ordre, ça, 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 coiffe, botte, cap, anneau. Ah merde, j'ai l'anneau, il est en banque. Et l'amulette, voilà, on va aller chercher le gel l'anneau. Il y a une banque pas loin. On doit faire un échange ici pour. Ah mais non, tout est dans la banque. Tant pis, on va aller à la banque. Attendez, elle est où? Elle est par là. Si je pars du mauvais côté directement, ça va pas aller. Pour le moment, j'ai d'assez belles stats, 1700 de vita. Et j'ai pas encore le Géano 150 Vita, donc franchement pas mal. On va se retrouver à presque 2000 de Vita, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, faut que je prenne ça, faut que je prenne ça, faut que je prenne ça, ça, et ça. Voilà, on peut limite le stuff, ça, on peut le. Remettre. Les trophées, on les garde toujours, on ne sait jamais. Tout ça, on peut bazarder. Il me fallait des popos qui doivent être ici. Voilà. Le pain, ça sert toujours. Et donc voilà, faudrait peut-être que je me remette un petit peu à faire des métiers, moi. Parce que, ben niveau Kama, j'ai ma réserve. Mais la réserve n'augmente plus. Donc, à voir que je m'y remette à faire un peu de Kama. On fout le l'anneau. On va dissocier tout ça. Alors pour l'événement, on va mettre cette coiffe-là. Voilà, elle est jolie. On va aller. Alors, les stats, c'est 1844. Ah merde, le parchotage! Oui, je crois que c'est sur le roublard. Faut que je change de perso. C'est pas grave, on va le mettre à la banque.
Voilà. Mon petit fail, hein, mais c'est pas grave, c'est habituel dans mes vidéos. voilà, on repart sur le petit écart. Petit carte à jouer niveau son, je trouve ça stylé. Parce que, ben, comme certaines personnes le savent, ben, c'est ma classe préférée depuis toujours, les Ekaflip. Divers banques. Et j'ai jamais en fait passé le niveau 120. Enfin, non, même pas. Je crois que j'ai jamais passé le niveau 100. J'avais déjà eu un Ekka niveau 100. Mais j'avais jamais continué de l'up. Je sais pas pourquoi en fait. Et en général, j'ai jamais eu de perso axé terre avant le Zobal en fait. Donc ça, c'est assez bizarre, vous allez dire, mais je sais pas pourquoi. Le problème, c'est que comme je faisais beaucoup de métiers, j'avais. Enfin, mon problème, c'était les pods. Donc je prenais des persos ben, qui avaient. Qui pouvaient, enfin, grâce au métier, avoir plus de pods. Donc je m'en foutais un petit peu le fait d'être terre. Mais c'est vrai qu'au final, ben maintenant je m'en rends compte parce que ça fait super longtemps que je joue. Et je me rends compte que le fait de ne pas avoir de pods entre guillemets en trop, ben ça vous, enfin, c'est assez chiant parce que vous pouvez jamais prendre rien sur vous. C'est pour ça que j'ai toujours mon inventaire vide ou avec pas grand chose. C'est à cause de ça en fait, j'ai été entre guillemets déformé à cause de ça. Et faut qu'on monte nos sorts, ah oui. On va monter Destiny Ekaflip niveau 5, puisqu'on pourra pas le monter plus haut. La griffe joueuse. Voilà. On va venir ici, on va parler à Bernardo. Remettre les cartes serrées. Le premier cette fois-ci, voilà. Alors, changer les toplons, désapprendre un sort. On veut oublier les griffes de Sangal. On veut oublier réflexe. On veut oublier bluff. Bluff, voilà. Et alors on avait dit qu'on oublierait un autre sort, mais je sais plus de quoi on avait parlé. Bon, déjà, on va monter ça. Voilà. On va montrer Esprit de Félin. Comme ça, on a nos sorts principaux. On va monter Pilou. Et une fois que on passe 101, on monte Pilou. Et bombe fêlée à niveau 6 directement, comme ça là on verra la différence. Regardez les dégâts, c'est juste pas comparable. Et alors, bombe fêlée, ben, c'est nombre de lancers par tour qui augmente. Enfin, nombre de lancers sur la même cible, enfin, vous comprenez. Alors, on va se parchoter. Alors, on va mettre ça là histoire qu'on voit le petit truc avancer. Allez hop, on met les petits. Les moyens. Et on a pile 300 de stats avec la panneau. Franchement, c'est simple. C'est sympa, pardon. Les grands. On peut pas faire utiliser multiple. Non, même pas. Il n'y a pas un raccourci ici. Ah voilà. C'est plus facile comme ça en fait, ça m'en. Je dois cliquer vachement moins comme ça en fait, c'est beaucoup mieux. Et voilà, pare-chaux 101. Et on va mettre tous nos points. 495. Voilà, on est à. Ouais. 600 de force. Waouh. Je pensais pas qu'on aurait autant en fait. Donc il nous manque 700 000 XP. Donc on va faire le Doppel ici. Attendez. Ah ouais, on a un peu moins de vita. Ouais, 1500, c'est franchement pas mal. S'entraîner avec un Doppel. Voilà. En plus, on a 6 PM, quoi, c'est énorme. Alors, on va jouer comme d'habitude.
Là là, les dégâts! Oh, ça tape trop fort, c'est génial! Bon, je fais ça pour le tchal, hein. J'aurais pu le finir, mais je faisais ça pour le tchal, pour que voilà. On a les deux tchals qui se mettent. On a plus que 200, ouais, on va aller sur. J'irai bien sur le double IK en fait, histoire d'avoir le sort de classe. Mais non, je l'ai déjà en fait. C'est fellation. J'ai rien dit. Je l'avais déjà fait hein. Quand même. Je tente. C'est pas comme le Zobal qui est arrivé niveau 199 sans jamais fait un seul donjon ou quoi. Là, ça me change un petit peu. J'ai déjà joué sur ce perso auparavant et oui. Ouais, non, ça va pas l'avoir. Donc, on va se booster. Donc là, on tape à peu près 120 avec le pilou. Et à mon avis, quand il sera à niveau 6, ça va un peu augmenter quand même. On va se faire route de la fortune. Ah par contre j'ai pas regardé, est-ce que j'ai des invoques en plus? Invocation, non j'en ai toujours qu'une. Faudrait que je me trouve un petit exo, un machin comme ça. Histoire d'en avoir une en plus. Je vais tester esprit de félin. Oh là là les dégâts. Et là, ouais, avec les deux pouces, c'est assez violent. Par contre, j'ai pas compris d'où j'ai raté. Ah merde, c'est avec bon de fait là. Pourtant, j'ai utilisé tous mes PM, ça. Enfin, peut-être pas. Et voilà. Le petit up niveau 101, on l'entend. Voilà. Donc, on continue, on passe la barre des 600. Enfin, ouais, on est à 600. On va monter nos deux prochains sorts. Voilà, donc Pilou niveau 6 et Bond Félin niveau 6. Et la prochaine étape, ce sera Perception niveau 106. Et on aura exactement le nombre de points de sort, puisque ça fera 5 niveaux. Donc on aura pile 5, c'est nickel. On va aller tester ça au canot jet d'eau qui est là au-dessus. Et puis après, on ira tester ça en Coliseum. Pour voir si on n'a pas fait tout ça pour rien. Normalement, ça devrait aller. Voilà, à mon avis, on tapera 100, 150, je dirais, avec Pilou. Donc, on va tester ça. Bon, premièrement, on va se booster. Alors, on se booste à mort. Alors, Pilou. Oh, 180, c'est pas mal. Bon, tant qu'on est boosté, on va tester un peu tous les sorts. Donc, alors, la griffe joueuse, 300. L'esprit de félin, 400. Oh, le destin des Caflip fait tellement mal. Voilà, je garde la roulette pour le prochain tour. Et on va se tester esprit de félin contre un mur. Ah ouais, non, les dégâts, c'est assez monstrueux. On va faire un petit chaton histoire qu'il nous soigne. On va se booster comme il faut. Ah ben on va tester. L'épée, bon, qu'on n'utilisera à mon avis jamais, mais on peut toujours tester. Ouah, pas mal. Ah non, mais Destiny Caflip, c'est cheaté!
C'est totalement cheaté. Paf, le CC qui passe. C'est sympa ça. On a combien au CC? Ah ouais, 1 sur 4. On va tester avec trèfle. Limite l'engrappeuse, on peut l'enlever. Il est où le trèfle? Il est là. On va vite tester ça avec trèfle pour voir si on se retrouve en 1 sur 2. On met un chaton pour qu'il nous soigne. Alors, on va mettre maîtrise d'armes et trèfle. Allez, mets-le. Parce que si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Ouais, on a 1 sur 2. Bah, ça, c'est cool par contre. On va tester ça en mode overboost. La méga boost. Roulette. Roulette de PA, c'est bien. Un sourdard. Ouais, quand même, c'est pas mal, franchement. Donc là, si je comprends bien, si je le fais là, ça va l'attirer. Merde. Attendez, faut que je reteste un truc. Donc si je vais genre là-bas. Ah, ça attire et puis ça pousse. Mais c'est énorme ce truc. Hey, mais c'est épique. Je savais bien que c'était, enfin que ça attirait, mais je pensais pas que ça repoussait derrière en fait. Ah mais ça peut être énorme comme truc. En plus ça enlève des PM. Pendant plusieurs tours, c'est ça qui est bien. Ça peut enlever jusqu'à 4 PM. Oh là 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 là. Et mais le type, je le fous avec des Stanica Flick, mais il bouge plus. Bon, enfin, soit, je vais m'inscrire en colis. Je vais couper, comme ça je ferai une ellipse au moment où le combat commence. Et puis comme ça, on se retrouve pour tester tout ça en colis. Allez, à tout de suite. Voilà, me revoilà. On vient de trouver un combat. Donc alors en face un Feka 115, un Kra 123 et un Nenu 51, ça c'est bizarre. Et moi de mon côté un SRAM 117, un Iop 67 et moi 101. Donc je devais faire une petite dédicace à Klein, parce qu'il me l'a demandé, voilà. De toute façon, je vais jouer mode pupute hein, maintenant que j'ai la griffe. La griffe. L'esprit de félin. Et la griffe aussi. En fait, je ferais bien la griffe joueuse, mais là, elle n'est pas à portée. Donc, au final. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va faire des PM. Voilà, donc je pense que c'est mieux de taper le Feka. Clairement, go sur le Feka parce que si il met des boucliers tout le temps, ça va être tellement horrible. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que quand je mets mes. Comment dire? Mes. Oh putain, comment il s'est. Comment il s'est fail le gars. Quand je mets mes bonds de félin, en fait, j'ai énormément de PM. Je peux monter à 9 PM par tour, quoi. C'est assez épique. Et j'ai pas regardé niveau agilité. Ah ouais, j'avais quand même 234. Bon,
Maintenant, mes sorts sont baissés, donc techniquement, ça ne m'intéresse plus. Mais c'est vrai que sur quand c'est des cas comme ça, avec des moins 50% de résistance, je crois que c'est aussi intéressant de taper dans l'élément voulu que de taper avec votre élément principal. Sauf si vous n'avez pas de stats du tout dans un autre élément, quoi. Mais comme moi, là, ben, j'ai un peu d'agib, ben, ça peut être pas mal. Surtout que là, qu'il est en train de m'overboost. Voilà, 33 dégâts. On a quand même une belle PO avec... Ouais, non, le crat tape pas... Enfin, j'avais pas dit rien du tout, c'est ses premiers trucs, mais... Je crois que le Fekka, une fois que le Fekka est mort, mais y aura no match, quoi. C'est un Kraral, ouais, on dirait. Là, par contre... Va se planquer ici. C'est assez chiant qu'ils m'ont enlevé la PO. Hein. Alors, est-ce que sur ce serveur le commerce est cher? Car j'ai envie de commencer un peu ça. C'est comme sur les autres serveurs. Ça fait... Oh, ils m'ont enlevé... Oh, ils m'ont enlevé 3 PA. Ah, oh, mes résistances, elles sont bien, en fait. Je les avais pas encore regardées. Ouais, bah, en fait, les seuls résistances que j'ai pas, c'est en neutre, quoi. Et bien sûr, le Fekka tape neutre, c'est normal. Et c'est un Fekka terre. Donc, il a fait renvoi de sort, par contre. Je vais être obligé d'aller taper avec le CAC, si c'est possible. À moins que j'ai tapé... le cra. Ouais, je vais aller taper les cra comme ça je sors du glyphe. Pour toi, sur mon serveur, par exemple, les e-greens sont super chers alors que là, pas du tout. Là, ici, c'est 400 à 500 1000 les 700. Ah non, vous imaginez pas les prix sur Summons. Les prix sont juste épiques, quoi. C'est pas, c'est franchement, c'est limite des fois injouable parce que vous voyez le prix, c'est limite injouable, quoi. Alors le yop, booste-moi, c'est bien. On va booster mon chaton. Moi, je vais sûrement faire roulette perception. Je vais me décaler ici et je vais faire un destin d'éca comme ça. Je l'attire et je le mets dans le piège du SRAM. Oh merde, ils m'ont enlevé tous les PM. Faut que je sorte de ce machin là. D'une manière ou d'une autre, comme ça on voit un petit peu l'idée. Ah ouais, merde, il est fait renvoi de sort. Et mon château qui a même pas de PM quoi. Putain, on est en train de se faire souiller par un Fekka. Et je joue comme une grosse daube là actuellement. Mais vous voulez que je fasse quoi? Il m'enlève tout mes PA, putain! Le type, il a pas encore pris un dégât depuis le début, allez! J'ai 16, toi qu'on va mieux. Faire un live commentaire sur Dofus. Oui, j'en fais souvent. Allez, viens, elle est nue. Putain, en plus, je suis sous glyphe aveuglement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me retrouvais 4 PA sur 9. C'est super. Voilà. Allez, voilà, s'il te plaît. Je prends trop cher!
Oh oui, il y va en plus. Bon, si je perds pas de PA, je me fais un contre-coup, je lui fais un destin d'Ekaflip. Ah ouais, non, j'ai même pas le temps de jouer. Ouais, non, ben voilà. Dépop total. Ah là là, j'aurais joué 3 tours. Et dans ces 3 tours-ci, je n'aurais absolument rien pu faire. Oh putain, le cray, il fait mal maintenant. Ouais, non, c'est sur 50%. Bon ben, on s'est un peu fait défoncer, j'ai envie de dire, un peu. Mais tu l'es nu. Il y a 50 niveaux de différence, j'ai rien su faire. Rien su faire. Féca trop OP. Ah, ok, et là on peut te voir en direct. Non. Ah là là. Bon bah pour cette première c'est un peu fail hein, j'ai envie de dire, mais bon. Faut le temps que j'apprenne à le jouer. Hein. C'est normal. Et puis bon, on passe au niveau supérieur quoi. Il n'y a pas longtemps je jouais contre des niveaux 60, maintenant je me tape des niveaux 120 en face. Mais bon. Oh putain, le Fekka, son aveuglement est juste horrible. Ah ouais, il a 52 retraits de PA. Ouais, il est un peu au petit, on va dire. Avec son bouclier de Fekka, se retrouve à 50% de crédit partout. Bon, ben. On va mourir. Voilà, on est clairement mort. Ben, Néaz, l'abonné, ce sera bien. Donc, ça veut dire que ça va. Eh oui, trop cheaté votre équipe. Oh, hashtag. Ah, c'est là, ça. Son petit fake. Ben voilà, Néaz qui gagne un niveau. Donc, au final. C'est worth it, j'ai envie de dire, c'est. Ouais, c'est worth it. Donc voilà. Une trentaine de minutes, donc c'est pas mal. Ben, moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer de faire des colis. Je vais essayer de record un maximum, comme ça vous aurez des vidéos pour le week-end. Ben, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah voilà, salut à tous!